Bonjour Vaudé. Seconde partie de la découverte. Il faut que j'aille au... même si je pense que j'avais d'autres trucs à faire, mais bon. Mais qu'est-ce que... Bonjour au trouble. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, lui ? Trois petits points. Et vous aussi, qu'est-ce que vous faites là ? Eh, mais tu suis pas le parcours littéraire par hasard ? Tu t'appelles Pepper, c'est ça ? T'as vraiment un look de littéraire. T'es le fils de Turum, le professeur Pokémon. Ramène pas mon père là-dedans, ok ? Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il fait ici, ce Pokémon. Et sous cette forme en plus. C'est bien trop gelou. Il a rencontré en bas de la falaise. Il m'a sauvé la vie. Saved my life. En fait, on a entendu un drôle de cri. Et en cherchant son origine, ça a glissé. D'une la falaise. Et ce Pokémon, il m'a sauvé. Mais je crois qu'il a utilisé toutes ses forces. Depuis, il tourne à plat plat. Pourtant, avant de prendre ses formats, il était hyper fort en combat. J'ai même pas fait gaffe qu'il avait une autre forme en vrai. Ah, c'est juste avec pattes ou sans pattes, je crois que c'est ça. Ouais, je sais. Non, je vais pas faire cette voix-là. Ouais, je sais. Mais sous cette forme, il peut pas faire grand-chose. Surtout pas se battre. La vraie forme, le Béralon, c'est celle qu'il adopte en combat. Mais raison, c'est son nom. Mais comment tu sais? Agro, agro. Ah, mon câble, voilà. S'en mêle. Tu pourras pas rentrer dans le labo. Inutile d'essayer, je ferme la porte. Je t'ai jamais vu dans le coin, toi. T'as le même uniforme que nous. Oh, bof. Ouais, tiens, un petit peu vite fait. J'imagine que t'es de notre académie. Ouais, mais j'ai séché déjà la première journée, apparemment. Ah non, c'est pas le genre de Pokémon à se laisser amadouer par n'importe quelle dresse, ça... Et oui, et c'est quel genre de Pokémon, alors? Si tu veux t'en occuper, il faut d'abord que je teste ton niveau au combat, Debrett. Non. Allez, si tu veux voir que je te fais là, fais pas la timide. Tombe bien, je voulais me changer les idées, t'as intérêt à être à la hauteur. Pourquoi me laisser le choix? Ça m'insupporte. Michon. Pepper, le dresseur, veut se battre. Il envoie un rongomon. J'en ai ras-le-bol qu'on me parle de mon père. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Avec ton père. Pistolet à eau dans ta gueule, rongomon. Ah, mon glouton, il évolue. Shit! Mais t'avais que ça? T'avais qu'un écureuil? Tu te défends plutôt bien. Ouais, c'est toi qui te défends très mal. Je trouve. Ah, oh, salut, Bobby Bob, pardon. J'avais pas vu. Ça n'a pas glissé, tu l'as poussé. Ça, c'est vrai, je pense qu'elle m'a poussé. Bien joué, Naxan. J'avais aucune chance avec un Pokémon que je viens à peine de capturer. C'est vrai. Et puis t'as vraiment pas pris le meilleur quand même. Enfin bref, si tu comptes vraiment emmener ce Pokémon, prends ça. Une Pokéball qui sert à le contrôler. Ah mais comme ça, mais... Bon, allez. Va arrêter, c'est normal, ces Pokémon, les scénarios de Pokémon sont toujours nawak. C'est normal. Mais quand même! Pokémon de Miradon, elle a même pas une autre forme. Miraidon. J'ai envie de dire Miradon. Miraidon. Miraidon. Par un garçon du nom de Pepper. Mais pourquoi? Pourquoi t'avais ça sur toi? Au moins, j'ai réussi à me débarrasser de cette Pokéball. Allez, salut! Ah! Hé, je suis pas transparente, mon bâtard! Mmh. Ils sont méchants! Arrête de s'échiner le cours, ok? Mais pourquoi tu lui fais coucou? Il est méchant! Tu prends pour qui ce gars? Mais pourquoi tu lui fais coucou?
J'aurais pu le laisser se promener un peu. Non? Kane avait l'air d'avoir, d'en savoir plus que nous sur ce Bungeman. Mais toi, tu sais qui c'est? Tu pourras pas le contacter ou contacter son daron? Prochaine fois que je le croise, je vais juste tirer des informations par la force de mes Pokémon. Allez, on monte en haut du phare. On peut voir l'école de là-haut. Mais pourquoi on monte en haut du phare? Elle veut jouer à touche pipi. Hein. Non mais c'est chelou cette obsession. Zone tutin. Ok, ok. Parce qu'on peut pas monter en bas. Merci, Grisou. Regarde là-bas, c'est Mazaledo. C'est Mazaledo. C'est Mazaledo. Et tu vois ce bâtiment avec la grosse Pokéball, c'est notre école. Ouais. Balèze. Moche, mais balèze. On va être dans la même classe, j'ai tellement hâte. J'ai peur des devoirs. Oh, j'avoue. Tu vas apprendre plein de choses sur les combats Pokémon. Tu verras, tu vas adorer. Oui, puis je vois que bon, apparemment, on sache les cours déjà, quoi. La vue est superbe depuis faire, pas vrai? Elle est pixelisée. Je vois l'essai qui est fait, mais... Il y a les montagnes, les prairies, les forêts, tout ça à perte de vue. Pas trop. Toute cette nature regorge de lieux fantastiques qui eux-mêmes regorgent de Pokémon, qui eux-mêmes regorgent des capacités, qui eux-mêmes regorgent des surprises. D'ailleurs, je t'avais pas encore souhaité officiellement. Bienvenue à Paldea. Bref, allez maintenant. Comme tu peux voir, il nous reste encore pas mal de route. Un petit village. Commençons par nous rendre à Plateau Real. Ou Plateau Real, peut-être. C'est sur le trajet. Allez, c'est parti! Donc on redescend. C'est volontaire, cette forme un peu étroite. Ouais. Ok. Ok, ok. Bon, allez, on en va. On s'en va. Vraiment tellement dommage que je sois pas un tout petit peu moins dégueu. Un tout petit peu. Esthétiquement. Graphiquement et surtout, voilà. C'est dommage. Remonter. Hein? Ah mais oui, mais je fais X pour faire Y à chaque fois, je me trompe. C'est mauvaise habitude. Est-ce que j'ai regardé autour du phare? Non. Ah, voilà. Je me doutais. Mais rappel, punaise, on en trouve plein, hein, c'est trop bien. Franchement, ça, si je peux en accumuler, c'est cool. Alors un bruitage, j'arrive pas à savoir si c'est le son qui déconne, ce qui est peut-être le cas, ou si c'est dans le jeu. Ah mince, j'ai pas lu. La baie cerise, je sais pas quoi sert. Bon, je regarderai. Et on se bat? Je te tape? Quand on est dresseur, on salue avant de se défier en duel. Dimitri le gamin veut se battre. Allez, claquons la gueule d'un gamin. Ça tombe bien, en ce moment je regarde Hunter x Hunter et c'est un peu dans le thème. Alors, la piste là-haut sera bien ça. C'est quoi sur 27? Ah d'accord, oh c'est pas mal. Vent féerique. Alors, qu'est-ce que c'est vent féerique?
Le lanceur déchaîne un vent magique qui cingle la cible. Donc ça l'empêche un peu de bouger et tout. On va mettre à la place de Minikyu, on est d'accord. Bah non, trompette. Pardon. Pardon, j'avais oublié que j'avais un granivole qui avait trompette, je savais même pas que c'était possible. Les Pokémon sont trop forts. Et là, il y a quoi? Un petit cochon. Attends, j'ai vu un truc qui brillait là. La souris. Mais c'est quoi la bevette à côté? C'est un... Comment ça s'appelle? Un mont... Je sais pas quoi. Un mantri? Non, je sais plus. Je mets qui en prompts? Un psycho quoi qui vient direct. Allez, let's go. Un psycho quoi? Pas mal. Fais un mioche solo au milieu de nulle part. Ah, tu sais, les enfants, dans ce jeu, on les dégage de la maison très tôt. Hein. Et du coup, bah, ils restent sur le chemin pour se faire raqueter. Piste là-haut, ça va lui faire que dalle. Par contre, j'aime bien le côté un peu groovy qui est derrière. À 10 ans, ils sont presque adultes, ils peuvent commencer une carrière de clodo, éleveur d'animaux, de combat et vivre mille et une aventures. Genre sauver le monde ou alors faire des danses. Faire des danses? Ah oui, c'est vrai. Ah, je pensais que tu parlais des concours Pokémon. Danse rituelle pour invoquer des pouvoirs secrets. Bonjour Loximon et le chat. Salut Silence. Salut Lix. On va le capturer le petit gars. Est-ce que ça va être automatiquement mis dans ma boîte? Tic-tac-tac. Retrouver le sol, s'il vous plaît. Merci. Coiffe-t-on, on va prendre Cruel. Ah bah bien sûr, apprends donc, mon petit gars. Un cri tout mini pour tromper la vision, c'est baisser son attaque. J'ai enlevé le rugissement, jamais j'utilise ça. Magie noire n'a aucun secret pour moi. Tu n'en doutes pas, Lee. J'inclure dans l'équipe mon psycho quack. Bon, l'araignée est peut-être mignonne, mais en vrai, elle me sert à abfoy. Ouais. Ou le lépidonigne. Bon, je l'inclus, mais bon, c'est pas comme si je comptais le mettre dans ma team, mais j'aime bien Psycho Quack. Pourquoi il y a un truc un peu groovy, là? Azuri, pas Mandry. C'est quoi? Ah, mais non, mais il va m'éclater. Mais c'est quoi les deux musiques sont... Ah la trompette, la jury. Les deux musiques vont pas ensemble. Bon, moi je trouve que ça jure un peu. Ça
s'appelait Donald. Oh, il a eu plein de surnoms depuis que je l'ai choisi, apparemment. On a eu deux filles Trump. Un canard WC. Donald, maintenant. Mais il s'appelle... Je sais plus comment. Coiffe-t-on. Coiffe-t-on. Ok. On a capturé des petits trucs. On peut y aller. Mouah, il fait dodo. TKT, je te laisse tranquille. Mais que vois-je là? Ah non, c'était pas... Je voulais pas le petit machin. Le petit passe rouge. Je vais peut-être pas assez baissé en vie, on va voir. C'est vraiment un jeu de feignant quand même. Hein. Ils font même plus... Avant, ils le faisaient hein, dans d'autres Pokémon ou dans Pokémon Go, par exemple. Quand tu l'envoies en l'air, la Pokéball qui capture et qui tombe au sol. Et là, qui fait... Ils ont même pas pris la peine de le faire, là. Passe rouge, il passe au rouge, c'est ça. C'est ce que tu veux dire. Rigolo. Ah, c'est toi que je voulais. Un petit Trasal, j'avais encore oublié son nom, hein. J'ai oublié tous les noms. Tarsal, pas Trasal. Tarsal. T'as juste à lire normalement, Lox. Calme-toi. Choc mental! On psyphé, c'est bien ça. Je vais mettre à la place de Psycho Quack. Peut-être aller me soigner avant de continuer. Ou j'échange. On va voir ça là. Non, pas toi! Je veux que le côté groovy, moi, j'aime trop. Ah oui, c'est vrai que maintenant ça m'indique. Je pense que ça fait vampirique. Jamais utilisé encore. Ah si? Non. Pas foufou, hein. Oh punaise, on a un passe rouge derrière qui pète complètement un câble, hein. On dirait qu'il pleure derrière le petit la prévolution de Rondoudou là. Le petit doudou, je sais plus quoi. La vache, il m'éclate. Tu m'en glouton, tiens. Mmh.
Ouais, je m'en doutais qu'il allait attaquer deux fois. Enfin, qu'il était plus rapide, quoi. Tout doudou. Ah, pas terrible. Ah, il va me taper. Il va me faire trop mal, là. Moi, je suis Jill et toi, elle a pris la même version. Bah, pourquoi? Il n'y a que deux versions, donc forcément, on en a en commun avec d'autres gens, quoi. Ah, on va prendre Gourmelet. Toutes les touches violettes, c'est très bien. Très belle couleur. Ouais, bah c'est pas tant pour ça, en fait. C'est parce que le légendaire est un peu ridicule, je trouve, en rouge. Pour plusieurs raisons, mais déjà parce qu'il a beau avoir une roue à la place du cul, il ne s'en sert pas et il marche. Très bizarre, enfin voilà, bref, il est un peu chelou. Et ensuite, c'est parce que dans les Pokémon endémiques, à chaque version, il y en a qu'un vraiment qui m'intéressait dans rouge, alors qu'il y en a plusieurs potentiels qui peuvent m'intéresser dans violet. Même si celui qui est dans rouge est trop bien, j'ai oublié son nom, mais c'est une sorte de dragon spectral là. C'est plus que le rouge, c'est pas terrible. Voilà, c'est ça. J'aurais pu échanger des Pokémon ensemble. Oui, bah après, faut aussi de coup se trouver des créneaux pour jouer ensemble et tout. C'est pas forcément pratique pour autant. Hein. On va dire que ce soit elle ou moi, je pense qu'on trouvera largement de quoi échanger. Y a pas de sous. Notre Pokémon soit en roue libre. Littéralement ou pas? Parce que lui aussi a un truc un peu en forme de roue devant, mais c'est plus subtil. Qu'est-ce que c'est que ces petits machins? Je vais aller me soigner et puis on verra. Je demande une troisième fois. De quoi silence? Patiente, quand je lui réponds pas, il pète un câble. Déjà été proposé deux filles contre les vampires. Non. Voilà. Boutique Pokémon, ok. Vous aurez besoin de PL, c'est bizarre de dire ça, et d'échantillons. Les Pokémon abandonnent. Oh, ça j'ai! Vous permet quant à lui de vous connecter avec d'autres dresseurs. Ah ok. Dommage que ce soit pas dans un bâtiment, que ce soit un vieux stand. Je trouve que c'est dommage. Après au moins c'est plus facile d'accès. Un truc qu'on nous demande en interro. Et quand tu commenceras à t'habituer à tes Pokémon, oublie pas cette phrase. Bouton R en avant. En appuyant sur R, tu peux demander au Pokémon qui se suit d'aller ramasser. Ah ouais, c'est vrai. Comme dans Arceus. Là, il y a des combats auto. Ah oui, j'avais vu ça. Afin qu'il se débrouille tout seul, il pourra alors combattre des Pokémon situés à proximité ou alors ramasser des objets pour vous. Si les PV de votre Pokémon sont trop bas, il ne pourra pas se débrouiller tout seul.
Donc si votre Pokémon est affaibli, soignez-le en lui donnant une potion. Si un Pokémon que vous avez envoyé en avant commence un combat, il se battra en combat auto. Sans qu'il soit nécessaire de lui donner des ordres. Vous pouvez donc continuer à explorer les alentours tout en regardant votre partenaire à l'œil. Ah oui, tout en regardant votre partenaire à l'œil. L'issue d'un combat auto dépendra de la force respective des Pokémon et de leur type. Ok. Ok. Ok, ok. Les combats auto, apparemment, ouais. Quand t'affrontes des Pokémon faibles quand tu veux Pex, mais bon, je trouve ça un peu dommage, même si effectivement les Pokémon. Les combats de Pokémon quand tu Pex sont pas les plus passionnants, mais. J'ai de ma truc derrière. Voilà. Merci d'avoir attendu. Je sais pas si vous savez, mais. Lorsque vous ne savez pas où aller, rendez-vous au centre Pokémon le plus proche afin de demander des conseils au personnel du centre. On est dans un jeu vidéo. Et mon immersion, le PNJ, t'as pensé à mon immersion? Ah, il s'en fout là. Il s'en balance de ton immersion là. Les Honor Ball, je comprends pas. Hein. Poké Poupée. Elles permettent de s'enfuir d'un combat lorsqu'un Pokémon sauvage. Contre un Pokémon sauvage à coup sûr. Oh, c'est marrant. Antidote, je vais reprendre peut-être quelques-uns. Je peux payer en PL ou en liquide. Imaginons je veux un anti-brûle. Putain, il y a un PayPal sur le jeu quoi. En fait non, il y a des NFT. De la crypto. Ah, la musique venait du centre. Bon, j'ai soigné mes Pokémon et je voulais voir, il y avait des Pokémon qui aboyaient. Je veux aller les voir. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait tout un tas d'oiseaux devant. Pas terrible d'avoir Granivol en premier. Faut que je change. Mais très bien Tarsal. Pic pic. Oh non, il m'a pic piqué. Super efficace, mais ça dégoûte en fait. Bon, je vais changer. Hein. J'en ai bien capturé un, passe rouge, oui. Je bouge ma chaise en rythme, du coup ça fait un bruit en rythme avec le petit groove. Poudre toxique, ah oui! Oh, les clics-clics sont trop forts encore, je trouve. Oui! Trop de trucs d'un coup là. Merde, attends.
Le jeu m'a dit un truc, attendez. C'est qui devait apprendre Poudre Dodo du coup? Ah, gestion des capacités. Paraspore ou poudre de dos? Poudre de dos, hein. Mais il a pris 3 attaques en un niveau? C'est n'importe quoi. Bon allez, je t'échange, hein. Avec mon canton, on sera plus rapide. Bon. Ah! Tu m'as tranquille. Ah ouais, les petits passes rouges qui sont tout camouflés dans l'herbe. C'est rigolo. J'aime bien. Antidote. On les voit un petit peu. Du coup, on a envie d'y aller parce qu'on a des trucs rouges dans l'air. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Des passes rouges, hein. Les cerises. Ouh. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une CT. Tenacité, le lanceur résiste. Ah oui, tenacité, c'est quand il... J'ai pas eu le temps de lire, mais je crois que c'est quand il peut pas être tué d'un seul coup. Il lui restera forcément un PV. Je crois que c'est ça. Remonter comme ça. Merde. Retournez où vous étiez auparavant. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette fonction bizarre? Pourquoi pas, mais ça me perturbe, j'avoue, comme fonction. Bref, il est où le petit dogo là? Ah, c'était là-bas, c'était vraiment en allant là-bas. J'ai mis mon Pokémon, t'es super. Ah, ils sont là, les petits dogos. Qu'est-ce que ces petits machins là? Patachio. Patachiote. Let's go. Bon, de toute façon, je pense qu'on ira explorer plus en profondeur un peu après. On va avancer un petit peu. Ah, c'est un fée ? Oh, je pensais que c'était un électrique, moi. Contient son souffle. Hein? La levure que contient son souffle est utile pour cuisiner. Je suis curieuse de voir en quoi il se transforme ce machin. T'as la place de mon glouton. Ou de lui. Lui en vrai j'en ferai rien. Mais mon glouton non plus. Allez, à la place de lui. Un truc qui a pop derrière moi, non? J'ai entendu un petit cri. Ok. On va se heal. On va un peu avancer. Je commence à avoir faim, il est quelle heure? Bon, j'ai encore un petit peu. On met une tonne de conseils à chaque fois.
Appuie sur les boutons directionnels pour accéder à plusieurs fonctionnalités utiles. Une réaction, appareil photo, changer de look et consulter les notifications. C'est vraiment utile ça ? Changer de look, une réaction, un appareil photo ? Laissez-moi tranquille. J'aime bien par contre l'animation. Quand tu cours et que tu te mets en mode sneak, et ben ça fait une animation. Oh oui, j'adore. Eux, ils se transforment en fonction de des saisons. Ils sont trop mimi. Chiant. J'ai très soif. Ça a l'air bon. Mais ça fond dans la bouche. Mais c'est bien tenté par une crème glacée. Ton mi-balle, tes crèmes glacées, ça va pas? Espèce de folle. Aura gustative, aura red fée, aura géant glacier, aura capture eau. Oh, c'est trop marrant ça! Et pour combien de temps on a ces auras? Je regarderai un petit peu comment ça marche les auras, mais. Ça peut être intéressant. Toi, t'es pas capturé non plus. Ah non. Je vais capturer ce machin là. J'aimerais bien avoir un Pokémon. Moi, je veux un gourmelet. Moi, j'ai un gourmelet. Je suis né un gourmelet. Ah, tant pis. Ça fait vraiment parking, leur truc. Je suis pas fan. Un Pékipan. Venez, Bekimo, le facteur. En même temps, du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que tu reçois une lettre, elle est pleine de bave. Et si on est bien assis dans l'herbe? C'est bien vrai, ça, bro. C'est bien vrai. C'est bougrement vrai. Non, oh, regardez le taureau, Dark Taurus, comment il est trop stylé, j'aime trop. Qui se part en premier? Pokémon en tête d'équipe est le premier à être envoyé au combat. Voilà, tu sais tout. Oh, j'en fous. Tu vas rejouer ce soir? Ouais, peut-être bien, ouais. Ce sera un peu selon mon humeur ce soir, j'avoue. J'avoue. Je ne me projette pas. Eh bien, ça en fait de la marche. Oh, ça va. Les villages sont minuscules. Ah, je peux pas. Un enfant ou un don pour les mathématiques. Oh, les miens sont vraiment forts en combat. Ils ont tous ce petit machin. Ça rend trop bien avec ce filtre. Oh, les petits machins. Oh, il est super profond le creux. Regardez ça. Regardez la profondeur du lac. J'ai visé n'importe comment. Ah, je suis tombée dans l'eau. Vous empressez de sortir de l'eau. Oui, bah oui, on va pas animer ça. Bon, ça va pas. Pas maintenant. Là, c'était Repo. Là, franchement, t'es à 2 mètres. Même pas. Bon d'accord, j'ai compris, ça veut pas. Allez, on va monter, on va juste looter 2-3 petits trucs ici et on va monter. On va monter la pente. Oh mince, je fais B. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure.
Oh, ça, on le savait. C'est gentil, ça y est, Grand-Mlèche, comment tu vas-tu? Ah, je l'ai déjà eu ce machin aussi. Ok, bon, on se tire. Mais merci, c'est sympa! J'aime bien, moi, cette araignée-là, mais bon, elle a l'air un peu chier. J'ai deux Pokémon! Le gars, il me spoil son propre combat. Là-haut, quand même. Là-haut, là, on va chercher ça, quand même. Non, mais quand je vois un loup, tu peux pas le laisser en me disant j'irai le chercher plus tard. Ce n'est pas naturel. Ouais, la musique elle déconne à certains moments et je sais pas si ça vient de ma capture ou de la musique elle-même, faudrait que je teste le jeu en portatif. Tiens, encore mieux, demain je vais à marché médiéval. Oh cool! J'espère que tu vas pas trop cailler. Tu vas déguiser? Tiens! Moi je déconne, tiens, voilà. Bah ben moi j'ai deux Pokémon sur moi! C'est trop bien hein! Un peu nul. Guy veut se battre. Guy. Pas le meilleur emplacement. Qu'est-ce qu'il y a, Alix? Malos. Ah, il est en Malos. Ce machin est tout petit. Ouais, ça durit, c'est normal, c'est petit. J'y vais en 6000, mais je ne crains pas le froid. Je peux me promener en t-shirt à moins 5, moins 10. Si je suis en forme. Ok, ok. Bah, éclate-toi bien, alors. Est-ce que fait, ça va se faire éclater ou pas? Allez, je teste. On verra. Petit baptême. Un fœtus féton. C'est juste comme une petite souris bleue. Azuri. Patachio. C'est vrai qu'on dirait un peu un truc à... Oh punaise, on dirait tellement un gâteau ce truc. Ça me donne faim. J'ai un peu faim. Bah non, mais c'est pourri, bah oui. Mais il a pas d'attaque. J'aurais dû regarder ses attaques. Petit rugissement et puis après je vais changer. Allez, un petit bidoni. Je sais pas ce qui s'est passé, ma voix est partie en couille. Un chien avec la crâne sur la tête, c'est parce qu'il est trop vénère. Un malos. Il se transforme en démolos. Mais oui, c'est un feu, je suis con. Si fait, allez. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis spammé parce que putain c'est trop long. Ça c'est bien ou pas? Ça n'affecte pas Malos. Ok. Faut que je réapprenne un peu les Pokémon là. Ça pue du tout.
Mais mes deux Pokémon... Ils sont morts, mec. Content ? Allez, je vais me healer quand même avant. Ouf. J'ai quoi sur moi ? Oh non, mon coiffeton, il va bien. Non, mais je me heal pas du tout, en fait. Qu'est-ce que je dis, moi ? Allez, on y va. Alors, j'ai vu une petite bête derrière le panneau. Et c'est quoi comme petite bête ? Une pièce de quoi? Un 1? Mais je crois que c'était un Pokémon, ça avait l'air de bouger. Attends, il y a des trucs que je comprends pas du tout. Tu quoi? Une pièce de quoi? Ah, de mordu. Oui, d'accord, j'ai... Objet laissé par un Pokémon. Mais il y avait bien un Pokémon, il a disparu, c'était quoi? J'ai même pas le temps de voir, c'est tellement... Enfin, la qualité graphique est tellement dégueulasse que quand tu vois un truc petit, bah tu es obligé de plisser les yeux pour savoir ce que c'est et du coup bah j'ai pas eu le temps de voir. Mais ça faisait du bruit, on est d'accord, c'est un Pokémon qui a laissé un objet derrière lui quoi. En gros, c'est ça. Ah je sais pas, je comprends pas tout là, je comprends pas tout. Bon, je vais aller vers l'école, on se promènera après. À l'école? Non! Qu'est-ce que c'est ce machin? Oh la tronche! Grippe bourraigne. C'est original. Oh! Je vais tester Cruel pour voir un petit peu, je connais pas. Je connais pas le Pokémon, du coup on voit un petit peu. Oh! Ok, je le capture maintenant. Non, X. J'ai une Super Ball aussi. Peut-être un peu overreact, la Super Ball. Je commence à cailler de fou. Grillbourraine, alors qu'est-ce que c'est? Poison normal. De maintenir ses adversaires par deux. Pokémon souris venin. Hors de son territoire, elle dessine des symboles autour de son nid à l'aide d'une toxine à l'odeur irritante. Poison normal. Je passe mon temps à remplacer une Pokémon, on verra. Au bout d'un moment, je ferai des choix. Mais j'aime bien son look. Il a un gros nez et une langue qui dépasse, c'est bizarre et c'est rigolo. Ça me plaît. Oh. Ah mais si j'utilise mon eau, ça va l'éclater, ça va le one-shot. Je peux pas, hein. Quoi? Ouais, je tente, on va voir. Peut-être que si j'avais pas fait charge avant, il aurait peut-être eu un petit PV. Je suis pas sûre. Meilleur en dégrené. Implore. Qu'est-ce que c'est, implore? Le lanceur s'approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l'objet qu'elle tient. Oh, on s'en fout un peu, ça, non? Que mini queue c'est pas fou. Oui. Ouais, c'est fin. Ouais, pourquoi pas. Alors attendez, il y avait un mec qui voulait me taper. T'as pas trop vu, pas droit. Un petit peu. Mais bon, c'est pas obligatoire. Tu vas à l'école?
Ah, petite, ça te dirait un combat Pokémon avant d'aller en cours. Chelou, quand même. Hé hey ! Étienne, le nettoyeur, veut se battre. Oui, j'arrive. Gloupti ! Comment il fait à manger ? Désolé, désolé. Gloupti, je sais pas du tout. J'ai bu. Poison, je crois, non ? Je sais plus. Je vois mal le chat. Voilà. Et puis c'est là-haut, je teste. Ah, un truc qui brille ! Étienne, le nettoyeur. Elle travaille bien. Ben oui, ben oui. Ben marron. Soigne le sommeil. Ok. Oh, oh, il est trop beau celui-là. Mais il est trop cool. Bon, je sais pas pourquoi il m'agite ces énormes boules sous les yeux, mais... Mais il est trop mignon! Bon, ça a l'air d'être un petit plante, donc ça en oublie. Petit écrase face, on va voir. Plumeline! Elle a les mêmes attaques que moi, on dirait mon alter ego, mais de. Mais d'herbe. Bisous, Grisou, bon appétit. Je trouve trop jolie Plumeline. Je vais le mettre tout de suite dans ma team. Donc c'est plan de vol, c'est ça? C'est sûr. C'est sûr, j'ai trop raison. Électrique vol, pas du tout. Une danse enjouée et énergique. Plume vol. Ah, c'est marrant, c'est électrique vol. Comment ça se passe déjà dans ces cas-là? Sachant que électrique et vol, c'est des types. Enfin, vol est sensible à l'électricité. Mais là, du coup, si j'ai une attaque électrique, j'ai moins de sensibilité ou pas? Ah, je pense pas. On va l'inclure dans la team. J'ai pas d'électrique en vrai. Allez, j'ai enlevé mon gourmelet, même si je l'aime bien. Mais j'avoue que le swag de Plumeline, là, me plaît beaucoup. Alors toi, il faut que je te mette quelqu'un d'autre pour t'affronter. Oui, vénère. On passe à Silo. Ah, mais j'aime Iradon déjà. Non? Ah oh non, je peux pas utiliser, si. Oh non, mais je m'en fiche. Non, non, je m'en fiche. Photo, là, moi, ça me gonfle. Oh, ça, c'est les tenues. Parce que je suis censée pouvoir déjà utiliser Mireidon, non? Dans la gueule. Je sais plus. J'ai trop hâte de voir comment il évolue, mon petit patachio là. Allez, chou, c'est efficace. Ouais. Efficace, c'est un grand mot, quoi. Oh non, il faut le coco-larme. Pas très efficace, ok, mais ça fait combien pas très efficace? Pas très efficace, ça fait ça. Il baisse ma défense, il va m'éclater. Peut-être faire un petit vol vie, sachant que ça fait quand même pas super mal, là c'est super efficace, mais ça tuera pas, je pense.
Ok, là je pourrais le capturer. Arrête de chialer. Il expulse les liquides superflus par ses yeux. Leur composition chimique est semblable à celle de la sueur humaine. C'est bizarre. Ah, mais c'est bien. Mais là-bas aussi! Un petit champi. Ah, j'ai pas vu ce que ça faisait. Bon, je vais attendre cette vis. Elle est pas très loin en fait, hein, en vrai. C'est juste que j'ai... Je fais ça comme route. Le point A est là, le point B est là, et je fais ça. Notre dresseur. Allez, quoi comme bébête? On connaît. C'est un dresseur? Ouais, c'est un dresseur. Bon, on va voir. Peut-être mes Pokémon qui vont faire la gueule. Oh, c'est sympa, ce petit. Les choux, on va voir. Je viens de me tondre, ça fait bizarre. La barbe ou la tête? En hiver, t'aurais dû garder un petit peu pour ta tête. Là, ça fait de la chaleur. Arrogance. Je continue avec les chouilles, puis petite charge après, et puis ce sera bien, hein. Vous avez battu Philipper. Qui s'y connaît en combat, hein? Oh, il est trop mignon, le petit oiseau, là. J'aime trop. Je sais pas si vous saviez, mais... Il faut déclencher un combat. En train de lancer une Pokéball. Bah oui, mais ça tu m'as déjà dit, il me semble. Elle me dit pas un nouveau truc à chaque... Enfin, un truc à chaque fois que je sais déjà. Hein. Qui ça? Évasion. Je représente la Ligue Pokémon. Je sens que les combats, ça vous connaît. Si vous parvenez à vaincre 4 dresseurs ici dans la zone sud numéro 1, vous aurez le droit à une splendide récompense. Vous avez réussi à 24 dresseurs? Mon avec Pokémon, permettez-moi de vous remettre cette splendide récompense. Ok. Bah merci, c'est sympa, bro. Je vous reparle? D'accord. Ça a été long pour y aller, mais la barbe, ah oui, effectivement. T'as l'air d'avoir de nouveau 14 ans, c'est ça? Alex! Les Pokémon ont dû bien progresser après avoir inventé tous ces dresseurs. Si on faisait un combat pour mesurer leur progrès? D'accord. Le son, ça va pas, hein. Mais je sais pas si ça vient de mon logiciel ou du jeu. Je suis trop contente d'avoir une amie comme toi. Je connais depuis 2 heures. Allez, Lox, faisons ce combat. Faisons de ce combat une belle expérience.
Bah dis donc, prends pas de risque, on se met le moins. Mandy la dresseuse veut se battre. Mandy la dresseuse envoie Chocodile. Attention! Comme t'es devenu un peu plus fort cette fois, je vais utiliser deux Pokémon. Oh non, il va me cramer mon chiot, lui. Alors, on va faire ça et après, je vais envoyer un autre Pokémon. Oh, quoique. On va refaire une petite léchouille, on va voir. Ouais, bon, on va changer. Mais quel niveau son machin là? Son chocodile là? Chocodile, je dis chocodile, oh c'est pas grave. Je connais bien tes affinités type, je sens que t'as la rage de vaincre. Écrase face. On imagine tellement l'attaque. On voit des pubs derrière cette écoute. Au-dessus d'elle là. Des panneaux publicitaires. Là on voit pomme. C'était quoi déjà pomme? Ah oui. Je sais plus ce que c'était. Extric. On voyait ça tiens. Au pif total. Non mais j'aime bien la tronche, c'est trop bizarre de ce truc alors je l'envoie. Enfin, ça me retrouve en difficulté mais alors là, bah à ce point là, je crois que c'est ça que j'ai dit. Hein. Gros yeux mais merde, à chaque fois je spam, je suis pas exprès. T'adore, bah contre-toi Alex, mais maintenant je vais sortir les grands jeux. Ah oui, elle va lui mettre du cristal sur la tronche. Quand un Pokémon se terra cristallise ses capacités de son type terra cristal, j'ai pas eu le temps de voir. C'est vrai qu'il y a un troisième type du coup maintenant. Un troisième. Donc voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, ça m'éclate un peu la tronche là. Donc je ne trompe pas. Hein. Bon, je mets des Pokémon qui n'ont pas beaucoup de vie un petit peu pour tester. Oh non, il attaque en premier, c'est mort. Je ne sais pas quoi prendre. Ouais, à type Terra Crystal, vol et vol. Le problème, c'est qu'il y a vol, du coup. Du coup, voilà.
Bah, je vais mettre voilà. Hein. Tout simplement, j'aurais pu un petit peu écourter le combat. J'avoue que c'est un peu ma faute. Aqua Jet, let's go. Mais pourquoi t'es content que je joue à Pokémon Violet, Gostas? Si t'aimes pas le jeu, c'est bizarre. Alors tu progresses super vite. Bon, il va y avoir un peu de parlotte là, ça va être un peu chiant. T'as réussi à gagner alors que j'ai utilisé la Terra Cristallisation. Oh, Juliette, tu peux pas encore utiliser toi. Arranger ça, t'inquiète. Faut dire que t'es tellement fort que parfois j'oublie que t'es encore une débutante. On s'est battu que deux fois. D'ailleurs, tiens, pour te remercier du combat, je t'offre des rappels. Maintenant, on n'a plus qu'à passer cette porte et on sera à Mesaledo où se trouve notre école. Par contre, il y a pas mal de pentes et de marges à grimper, de mon avis, c'est un petit peu galère. Hein. Alors, enfin, d'accord, je vais reprendre mon souffle. On est enfin arrivé, hein! Aussi, Mesaledo, la plus grande ville de Paldea. C'est aussi un peu le commercial, c'est important. Nanana. Il y a plein de connaissances, il y a plein de technologies, et c'est trop bien cette ville. T'as même quoi à faire? Tu peux changer, il y a un resto à tapas, bref, il y a des trucs, quoi. C'est cool, mais j'irai voir par moi-même. Y a un truc qui t'intéresse en particulier? Le resto, j'ai faim. C'est pas un peu au bon man, toi. Si on a un part de combat, fais en sorte que tu puisses utiliser la Terra Cristallisation toi aussi. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout. On a qu'à profiter pour faire un tour dans la ville en attendant, tu verras, elle vaut le coup d'œil. Hein. Merci! Merci beaucoup. Quand t'auras fini à utiliser ici, tu te rejoins en mode devant le portail, les gars. Laisse-moi maintenant. Va-t'en. C'est ouf. Hop là, bon, j'ai une sauvegarde, mais... Ah, c'est R, ok. Et voilà! C'est ainsi que se conclut notre découverte. Je vais arrêter la VOD ici et le stream ici. Des bisous. Bonne soirée, bye bye!